Shalom, shalom ma famille, shalom les femmes de foi, shalom les vainqueurs, les intercesseurs divins, les papas de foi, les femmes de promesse, écrivez tout va bien au nom de Jésus, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Toi qui es en train de voir cette image, je déclare et décrète sur ta vie. À cette même période de l'année prochaine, tu te retrouveras avec ton bébé, tes enfants en main au nom de Jésus. Je prophétise que ton ventre prend place maintenant, ton ventre bouge maintenant, ton ventre rentre en action maintenant pour récupérer tout le temps perdu. L'accélération des miracles se met maintenant en marche au nom de Jésus. Je déclare et décrète que toutes les portes qui étaient fermées pour toi s'ouvrent. Je déclare et décrète l'accélération des miracles. À cette même période, femme de promesse, tu seras déjà mariée et tu auras déjà alors des enfants. Dans le nom de Jésus, je le proclame devant le ciel, la terre, la lune, les étoiles, le vent, dans le nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, aujourd'hui, nous avons une maman qui va nous parler de la part de l'Éternel. Il s'agit de la servante de Dieu, Maman Élisée. Suivez-la jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Aimez, likez et commentez afin de les encourager d'aller de l'avant, afin de les encourager d'avancer, afin de les encourager de se perfectionner, afin de les encourager alors à faire encore davantage pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse puissamment. Dis tout va bien. Like, commente, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît. Maintenant, suivant Maman Élisée, elle est de la Côte d'Ivoire. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, papa de foi, maman de foi. Tout va bien, tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. Tout va bien chez nous. Alléluia. Car Jésus-Christ est Seigneur. Car Jésus-Christ est vivant. Amen. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma sœur, dis, tout va bien. Maman de foi, tout va bien. Quel que soit ton âge, tout va bien, ma sœur. Si ton âge se situe entre 28 ans et 40 ans, maman de foi, dis, tout va bien. Si ton âge se situe entre 40 ans et 55 ans, dis, tout va bien. Si c'est entre 55 ans et 65 ans, femme de foi, confesse-le toujours. Tout va bien. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, tout va bien. Ce n'est pas un homme qui va faire ton miracle. Ce n'est pas un gynécologue ni un grand médecin qui va le faire. Alléluia. Que tu sois ménopausé, doublement ménopausé, triplement ménopausé même, maman de foi, déclare-le haut et fort. Tout va bien chez moi, car Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ah, mes bien-aimés, le Dieu de Maman Clozel répond. Le Dieu de Clozel ministrise. La foi triomphante, il fait. Et il va faire au-delà de ce que tu avais imaginé. C'est lui le gynécologue des gynécologues. Et il te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Ma famille, moi c'est Maman Élisée et je suis là dans le cadre des 40 jours de prière pour briser chaque retard de ta fertilité pour tomber rapidement enceinte avant la fin de l'année 2020. Bien-aimés, soyez fortifiés, soyez encouragés car nous avons fait déjà une dizaine de jours et nous avançons sûrement. Gloire à Dieu. Oui, nous allons y arriver avec nos miracles, avec nos bénédictions. Alléluia. Maman de foi, papa de foi, c'est le moment d'être mobilisé et persévérant dans la prière. C'est le moment de crier à notre Dieu. Restons fermes et déterminés pour ce programme. Ayons les regards sur le Seigneur Jésus et sur notre objectif. Arrête de pleurer, femme de foi. Arrête de regarder à ton âge. Papa de foi, arrête de regarder à ta situation. Tes inquiétudes ne vont pas changer les choses. C'est à Jésus que tu dois les confier. Peuple de Dieu, quel est ton objectif pour ces 40 jours de prière? Quel est ton désir, bien-aimé? Briser le chômage? Briser la stérilité? Avoir des bébés?
Quel est ton désir, bien-aimé? C'est la guérison que tu recherches? Mon frère, ma sœur, quelle que soit ton attente, laisse-moi te dire que tu l'as déjà obtenue, car Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui te permet de toucher ton miracle. Papa de foi, maman de foi, je voudrais qu'on lise un passage dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle ici dans ce passage. Il dit que tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié. Oui, notre Dieu prend plaisir à nous exaucer. Il aime répondre favorablement à nos requêtes, afin que nous puissions le glorifier. Alléluia. Dans ce même passage de Jean chapitre 14, au verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. » Papa de foi, maman de foi, le Seigneur te dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Que cette maladie qui te fait tant souffrir ne te trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Oui, papa de foi, ce n'est pas que le Seigneur ne te voit pas. Si, il te voit et il te connaît, mais il te dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Moment de foi, le Seigneur sait que tous tes amis ont accouché et ont plusieurs enfants. Mais il te dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Femme de promesse, le Seigneur sait que parmi les femmes de ta génération, c'est toi qui n'es toujours pas mariée. Mais il te dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et toi, mon frère, ma sœur, c'est le chômage qui est ton problème? Ton Dieu te dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Alléluia! Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, je t'exhorte à croire au Dieu de Maman Clozel. Il n'échoue jamais. Il va te surprendre en te donnant des triplés, des jumeaux, des enfants bien portants et rebondissants. Il va te donner un travail. Tu auras ton titre de séjour. Tu auras tes papiers, bien-aimé. Oui, papa de foi, femme de promesse, vainqueur, intercesseur divin. Croyons tous au Dieu de Maman Clozel. C'est lui qui lui a donné des enfants sans trompe et sans matrice. Il va aussi te localiser ce Dieu-là. Il va aussi te faire toucher ton miracle après ces 40 jours de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons terminer par la prière. Père, je te dis merci pour ce programme de 40 jours de prière. Merci parce que tu es au contrôle pour nous faire entrer dans nos miracles. Merci, papa, pour le chemin que nous avons déjà parcouru. Père, je voudrais te confier les autres jours. Viens fortifier tes enfants. Viens soutenir ta servante, papa. Ta servante, Maman Clozel, afin qu'au sortir de ce programme, seul ton nom soit glorifié. Au nom très puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.